Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la première édition du concours de lecture de poèmes à voix haute du lycée Saint-Barthélemy. La meilleure lectrice ou le meilleur lecteur qui obtiendra la première place du podium. Il sera évalué sur l'articulation, la fluidité de lecture, le rythme, la gestion des silences, la posture du corps, vivre le texte sans pour autant le jouer, et l'émotion, la capacité à transmettre ce qui est lu. Effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi » se planteront bientôt comme dans une cible. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés. La nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante. Sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisée rue de Siam. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante, sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais, et je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Vous l'avez dit, a quelque part un peu bouleversé votre quotidien et j'en suis ravie. Nous allons à présent procéder à l'annonce des gagnants. Alexis. Ivan. Cœur de tous les élèves présents ici, je pense. Remercie Madame Rossi.